Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper un oignon, on va voir si ça marche, avec cet appareil que j'ai payé 2 euros à Monoprix. On va voir si ça marche, hein. Alors on va poser l'oignon comme ceci, ok, et on va voir si ça marche. Je ne vous garantis rien. Ah bah déjà, il faut avoir de l'huile de coude, hein. Mais j'ai payé ça à 1 euro, hein. J'ai pas envie de me couper, moi. Oh, mais c'est nul, hein. Tu es bécasse. Moi, je pensais que ça allait marcher. Voilà. Alors, un gros fail. L'oignon est resté à l'intérieur. Alors, on va prendre un couteau, une fourchette, peu importe. Et on va lui virer cet oignon. Oh mon Dieu! J'étais contente. Oh mince, j'étais contente, je vous jure. Hein. Mais j'étais trop contente, quoi. Je me suis dit, ouais, bah ça coupe quand même, mine de rien. Mais bon, vous en foutez partout, quoi. Non, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas rester sur une défaite. Alors, attendez. C'est parce que le truc, il est monté à l'envers. D'accord? Alors, on y va. Peut-être je l'ai monté à l'envers. Ou peut-être qu'il n'y a pas besoin. Alors, par contre, pour ce qui est... On va reprendre un oignon. Allez, j'épluche. Mort de rire, mais mort de rire. Mais j'étais persuadée que ça marchait bien, ça. Hein. Bon, on recommence, hein. On va pas... je vous dis pas les yeux. Vous voyez ça où j'ai les yeux. Et j'ai mis mes lunettes. Mais il est un peu pourri, cet oignon. Il est pourri. Attendez. Et pourtant, il n'a pas l'air pourri. Ça m'emblin. Trois oignons pour une expérience de malade. Allez, on y va. Voilà, je suis en pyjama avec ta-na-na-na-na, la belle et la bête. Allez, ah, je vous dis pas comment. C'est un cata. Comment j'ai les yeux qui pleurent, mais c'est hallucinant. Regardez. Je frotte les yeux. Oh, oh la vache. Bon, bah du coup, on va enlever ça. Peut-être ça marchera mieux, peut-être. Hein. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On commence. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Alors, comment dire, n'achetez jamais ça. Mais jamais. Parce que c'est une grosse connerie. Donc là, je sais pas ce que c'est. Non, mais franchement. Voilà, attendez. Je vais quand même pas rester sur une défaite. Alors... Mais je crois que je vais être obligée de rester sur une défaite. Hein. Je suis désolée, les chouchous. Allez. Voilà, ça se met comme ça. On est d'accord. Non, ça reste. Bon, bah écoutez, voilà. Le résultat, n'achetez jamais un truc comme ça. C'est une vraie cochonnerie. Voilà, bah, total, j'ai pas d'oignon. Et du coup, en fait, la meilleure des solutions, on reprend. Voilà. Voilà. Et voilà. D'accord? Ok. Alors... Hi. Ok. Alors maintenant. La caca, la cata, c'est là. C'est la cata. Eh ben, on va couper. 1, 2, 3. À l'ancienne. 4, 5. Dites-moi si je fais bien. 1, 2 et 3. Je crois que je vais pas mettre beaucoup d'oignons dans ma recette, hein, je vous le dis. Voilà. A few moments later. Et voilà. Rien ne vaut le manuel. Mais au moins, pour vous montrer que ça c'est un fail, c'est vraiment une cochonnerie. Il va direct aux poubelles. In the poubelle. Voilà, il est parti dans la poubelle. Dire que j'ai les yeux dans un état larmoyant au possible. Heureusement que je ne me suis pas maquillée. Je viens de me suyer avec le truc de l'oignon. Hein. C'est de la grosse cochonnerie, n'achetez pas. Ah. Avant, dans le temps, ça marchait bien. Hein. Ah, j'en ai un aussi pour les avocats, pour les tomates, mais je ne vais pas m'aventurer. Voilà, j'en ai plein, j'achète plein de trucs comme ça, mais c'est de la grosse cochonnerie. Voilà, et eh ben écoutez,
Je vais avoir au moins 50 oignons pour mettre dans ma recette parce que je vais faire une recette de... avec des blettes. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, voilà. Bye bye, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous n'êtes pas abonné, ben venez parce qu'on va bien se marier. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Allez, ben en fait, c'est un gros fail. Mais c'est tant mieux parce que je ne ferai pas ça tous les jours.